La mise en place du pôle anticorruption est en cours actuellement, selon le directeur général des affaires judiciaires au ministère de la Justice. L'appel à candidature des membres qui vont composer ce pôle anticorruption a déjà été effectué. Les gens d'Inquiliab demandent l'exécution immédiate des malfaiteurs qui ont tué leur voisin par une vindicte populaire. Une attaque a eu lieu dans la commune d'Inquiliab Béfas la semaine dernière. Un litige foncier a débouché sur des voies de fait intrafamiliales en Tandicha commune d'Ambatoulampitsi-Rolmandide samedi dernier. Un des protagonistes a succombé à ses blessures occasionnées par des coups de hache. Israël affirme avoir lancé une attaque de grande envergure en Syrie. L'État hébreu a frappé 12 cibles iraniennes non syriennes, y compris 3 batteries de défense anti-aérienne. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 19h de TV Plus Madagascar. À la une de l'actualité, la mise en place du pôle anticorruption est en cours actuellement, selon le directeur général des affaires judiciaires au ministère de la Justice. La présence de ce tribunal spécial ne signifie pas la suppression ou l'incompétence du Bianco ou des autres organisations chargées de la lutte contre la corruption. Au contraire, cette instance renforcera les efforts de ces organisations dans la réalisation de leurs objectifs. Le directeur général des affaires judiciaires d'ajouter que l'appel à candidature des membres qui vont composer le pôle anticorruption a déjà été effectué. Son entrée en service n'entend plus que les dernières mises au point. Les gens d'Inquiliab demandent l'exécution immédiate des malfaiteurs qui ont tué leurs voisins par une vindicte populaire. Une attaque a eu lieu dans la commune d'Inquiliab Béfas la semaine dernière. C'était un vol armé. À 200 zébus ont été pris durant l'attaque. À l'issue d'une course-poursuite, 4 bandits ont été arrêtés. 4 ont parmi les Fokunoul blessés et un autre a perdu la vie. Reportage. La région du Ménabé est désormais considérée comme une zone rouge en matière d'insécurité due au vol de bovidés. Les attaques des bandits sont devenues le quotidien de la population. Pas plus tard que la semaine dernière, une attaque à main armée a eu lieu à Inquiliab, commune de Béfas. 200 zébus ont été volés ainsi que quelques charrettes. Les gens se sont mis d'accord pour engager la poursuite des Da'al, laquelle s'est soldée par la capture de 4 des bandits. Une personne parmi le Fokunoul a perdu la vie dans la confrontation et 4 autres ont été blessés par balle. Des enquêtes sont maintenues en cours, mais la population réclame une vindicte populaire par crainte que ces bandits attrapés ne se retrouvent un jour en liberté. Ils ont déjà organisé une manifestation auprès des responsables, mais n'ont encore obtenu des résultats. Elle prévoit une autre manifestation dans quelques jours. Un litige foncier a débouché sur des voies de fait intrafamiliales à Antanidicha commune Ambatoulampitsi-Rolmandide samedi dernier. Un des protagonistes a succombé à ses blessures occasionnées par des coups de hache. Reportage. La dissension au sein d'une famille d'Antanidicha commune d'Ambatoulampitsi-Rolmandide dure depuis quelques mois. La tension de la rupture entre les deux parties a flambé vendredi dernier quand un des protagonistes a commencé le labour d'un terrain. Ce que voyant son vis-à-vis est allé chercher une bêche pour labourer à partir du point opposé. Le lendemain, il est revenu sur le lieu accompagné de plusieurs de ses camarades armés de diverses armes blanches, haches et autres coutelas pour faire déguerpir son adversaire. Ce dernier, qui était d'ailleurs entouré de ses propres hommes, refusera d'obtempérer. La bagarre fut totale, les deux parties s'échangèrent des coups à bras raccourcis. Bilan est mort et plusieurs blessés. La route reliant la commune de Talatamianjanja au chef-lieu du district d'Arivumam est actuellement inaccessible selon les habitants. Ces derniers n'ont plus pas la possibilité de transporter leur récolte. Ils ont dû vendre les pommes de terre à seulement 200 ariars le kilo. Reportage de Mike Ranjamboulaz, Arfid Rakoutmanal. La commune de Talatamianjanja dans le district d'Arivumam est le grand fournisseur en pommes de terre des marchés de la capitale. La route reliant la commune au chef-lieu du district est utilisée par les paysans pour convoyer leur production.
Ce trajet est devenu impraticable après le passage du cyclone Ava et les tombées de pluie actuelles selon les habitants. Un trajet qui s'effectue désormais en 10 heures de temps, un problème qui impacte les prix de récolte. Les habitants y écoulent leurs pommes de terre au collecteur à seulement 200 arrières le kilo. Les habitants demandent à l'État que cette route soit réhabilitée pour leur survie, selon leur dire. En attendant la réaction de l'État, les habitants vont s'entraider afin de réhabiliter du mieux qu'ils peuvent le tronçon le plus dégradé de la route. Cette initiative leur permettra de rehausser un peu plus les prix de vente de leurs récoltes. Une réunion entre la population s'est tenue à Talatamianjanja vendredi dernier. La réhabilitation de cette route était à l'ordre du jour. Le CCS a formulé en vain la demande d'indemnité de recherche et d'investigation pour les chercheurs enseignants. Il a aussi l'obligation de service de 125 heures qui reste problématique selon le président du CCS. Le syndicat compte sur le ministère pour tenir sa promesse de payer les indemnités après la réunion que le MESUPRES, le MFB et le CCS branche Antananarivo avaient effectuée en 2017. Reportage Omega Hanevson. La moitié des demandes du CCS branche Antananarivo ont reçu une réponse favorable. Les enseignants-chercheurs réclament toujours que l'État s'acquitte de la totalité des demandes des chercheurs retraités ainsi que des chercheurs en corps service. Ils devaient percevoir leur dû en janvier 2016. Or, jusqu'à aujourd'hui, l'État ne les a pas encore payés, d'où leur insistance selon le président du CCS. Le CCS espère aussi la levée de l'obligation de service de 125 heures jusqu'à l'application de la nouvelle loi qui n'est pas encore effective. Selon toujours le président du CCS, le refus de l'État devant leurs demandes a des conséquences graves sur la vie de famille des chercheurs enseignants, sans parler du manque de dynamisme pour continuer les recherches, pourtant à la base de tout développement. Les chercheurs retraités, quant à eux, ne peuvent pas s'occuper de leurs assurances, vieillissent toujours selon le CCS. L'actualité internationale. Israël affirme avoir lancé une attaque de grande envergure en Syrie. L'État hébreu a frappé 12 cibles iraniennes en Syrie, y compris 3 batteries de défense anti-aérienne. Un peu plus tôt, l'armée syrienne a abattu un chasseur F-16 de l'armée israélienne. Le pilote est gravement blessé. France 24. Et ce samedi, bien l'armée israélienne affirme avoir détecté un drone iranien envoyé depuis le territoire syrien. Ce drone aurait franchi la frontière, serait arrivé ici en Israël. Et donc l'armée israélienne, évidemment, a très rapidement riposté. Elle a fait décoller un hélicoptère de combat qui a neutralisé l'appareil. Et puis des F-16, des avions de chasse israéliens ont pris la direction de la Syrie pour détruire le site de lancement de ce drone en riposte. Mais sur le chemin du retour, en rentrant en Israël, ces avions de chasse ont été pris pour cible par l'armée syrienne. Il y a eu une salve de tir. L'un des avions a été touché, a été abattu. Il s'est écrasé en Israël, près de la région de Haïfa, tout au nord du pays, non loin du territoire syrien. Le pilote a dû s'éjecter. Il a été blessé. Et évidemment, l'armée israélienne n'en est pas restée là, puisqu'elle est retournée en Syrie. Elle a pris pour cible 12 infrastructures syriennes et iranienne, au moins 4 iraniennes, selon Jonathan Conricus, le porte-parole de l'armée israélienne. Évidemment, cela intervient dans un contexte de tension grandissante entre Israël et l'Iran, et même son allié syrien. Il sera intéressant de voir dans les heures qui viennent si l'armée israélienne décide d'en rester là, mais si aussi l'Iran et ses alliés syriens et du Hezbollah libanais en restent là également. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève notre journal version française. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous.